Aujourd'hui, je voulais vous amener encore une fois dans une journée de notre vie. Je fais beaucoup de vlogs dernièrement juste parce que c'est un peu plus facile à planifier. On a juste à filmer un peu le courant de la journée. Et aujourd'hui, on a une journée bien remplie d'activités amusantes. Je travaille. On se prépare tranquillement pour le printemps. On est en train de sortir un peu des blouses de l'hiver. Et c'est des choses, c'est une planification qu'on aime faire parce que ça nous donne something to look forward to. C'est probablement pas la meilleure journée que j'ai choisie aujourd'hui parce que je suis absolument crevée, très 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 fatiguée. Juste pour vous démontrer le niveau de fatigue que j'ai ce matin, pour me brosser les dents, au lieu de mettre de la pâte à dents, j'ai mis du savon sur ma brosse à dents. Alors, ma tête n'est pas complètement présente, elle n'est pas 100%. Je suis pas 100% là, ma tête est ailleurs, en train de rêver. En ce moment, les filles sont à l'extérieur avec papa en train de jouer dehors dans la neige. Alors, les filles en profitent, étant donné que c'est probablement une des dernières chutes de neige. Ils voulaient faire un bonhomme de neige, mais là, ils sont en train de jouer dans la tente dehors. Alors, pendant ce temps-là, je m'occupais de bébé, je l'ai allaitée, mais je pense que je vais la reprendre. Elle n'est pas prête pour le dodo. Mais bref, aujourd'hui, avec les enfants, on voulait faire une martenitsa, qui est une tradition bulgare. Je vais vous en parler un peu plus tard. Aussi, j'aimerais faire notre planification au calendrier pour les activités qu'on aimerait faire ce mois-ci. Puis aussi, planifier un peu notre Spring Dream Bucket List. Ok, je reviens. Ça sera pas long. Aujourd'hui, je vais vous partager notre bucket list pour le printemps. C'est quelque chose que j'aime faire à toutes les saisons pour vraiment profiter au maximum de la saison. On va aussi faire des choses un peu moins plaisantes aujourd'hui. J'ai un peu de travail administratif que j'appelle. Je dois prendre des rendez-vous médicaux, je dois payer mes frais de cotisation pour l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Et aussi, ah oui, on a quelqu'un qui va venir vers l'heure du midi pour acheter nos tables de chevet. Aussi, quelque chose qu'on doit absolument faire aujourd'hui ou plus tard, c'est de planter nos semis, de planifier un peu notre jardin, notre potager. Il y a beaucoup de fleurs qui doivent être plantées maintenant à peu près à 6 à 10 semaines avant le premier dégel. Donc, on va faire ça avec les filles. Je voulais vous montrer aussi quelques livres éducatifs, surtout des livres chrétiens que je recommande. C'est pas mal le plan pour aujourd'hui. Alors, je vous reparle tantôt. Bye! Quand le printemps approche, c'est le bon moment pour nous de commencer à fertiliser nos plantes. On a beaucoup de plantes dans la maison. On a aussi des fleurs, des géraniums qu'on hivernise et que là, on doit réveiller tranquillement. C'est la période de l'année où on doit les fertiliser. J'ai découvert deux solutions de fertilisants naturels qui utilisent le restant de café à mon mari et aussi nos plures de bananes. Je vais vous montrer. En fait, c'est super simple. Généralement, quand mon mari a terminé son café, je remplis la carafe ou le French press d'eau pour diluer beaucoup, beaucoup le café parce qu'il ne faut pas que ce soit trop acide pour les plantes. Et c'est super important d'utiliser ce type de fertilisant avec modération. C'est pas toutes les plantes qui aiment l'acidité du café. Par ailleurs, il y a des nutriments qui sont super essentiels. Le café est riche en azote et est riche en potassium. Donc, les plantes aiment beaucoup, mais il faut vraiment s'informer sur les types de plantes qui aiment l'acidité du café. Je sais que mes potos aiment beaucoup, beaucoup le restant de café de mon mari. Alors, tranquillement, je l'utilise pour réveiller nos plantes. Mais encore une fois, informez-vous davantage sur son utilisation et sur ses bienfaits parce que je ne suis pas une experte. Il y a aussi le marc de café. L'été, on veut le faire sécher pour l'incorporer à l'engrais ou à notre terre parce que le café, le marc de café, libère tranquillement de l'azote, du potassium et du phosphore. Alors, c'est des éléments qui sont essentiels pour les plantes et pour les fleurs. Puis aussi, le marc de café est bon comme répulsif pour les insectes. Et la deuxième chose, c'est
des pelures de bananes qu'on fait tremper dans de l'eau pendant 24-48 heures. Et ensuite, j'ai dilué cette eau de banane dans ma carafe d'eau là, pour arroser les plantes. C'est ça, je l'ai dilué parce qu'encore une fois, il ne faut pas que ce soit trop riche. L'eau de banane est riche en potassium, mais aussi en vitamine A, B, C. Il y a aussi du phosphore, des protéines et tout, mais je pense que c'est une grande source de potassium, surtout que les plantes et les fleurs aiment. Je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est génial comme truc. On réutilise des choses qu'on a déjà et c'est gratuit. Je vais faire un petit tour de mes plantes, puis je vais préparer les activités de Martinica pour les cocottes. Donc, c'est super simple. J'ai besoin de mon mari pour expliquer l'origine de cette tradition, mais je sais que ça remonte à très, très, très longtemps. C'est une tradition qui est bulgare, mais aussi qu'on retrouve en Roumanie aussi, en Macédoine, en Grèce, si je dis pas n'importe quoi. Alors, je vais vous en reparler tantôt. Je vais essayer de mettre celle-là à Dodo. Oh, est-ce qu'elle s'est endormie? Oh, oui! Oh, parfait! OK. Je vais vous montrer tout de suite, en fait. On était à Québec il y a quelques semaines, et on a fait une to-do list, notre bucket list pour le printemps qu'on a appelé Spring Dreams. Et c'est essentiellement toutes les activités qu'on aimerait faire pendant le printemps. Je vais vous la partager tout de suite. Attendez, je vais vous décrocher. C'est un peu difficile de porter un bébé et la caméra et le trépied en même temps. Donc, évidemment, on veut planter des semis. On aimerait aller à la bibliothèque locale, mais ça, on fait ça toutes les semaines. On aimerait aller aussi à la pépinière pour choisir peut-être une plante ou deux, peut-être un arbre, je sais pas, on va aller voir, c'est toujours plaisant d'aller regarder toutes ces couleurs ou toutes ces fleurs et ces plantes fleurir. On va faire aussi un dessin à la craie, aller au marché local et faire un pique-nique, planifier un jardin de fées ou un jardin de hobbit, jouer avec les bulles, cueillir des champignons, aller à la pêche, visiter un musée et faire une limade maison. Donc ça, c'est nos activités pour le printemps. Évidemment, on en aura plusieurs autres, mais c'est le fun de commencer cette liste avec mes cocottes. Puis je vais vous montrer, je parle d'aller à la pêche. Il y a quelques semaines, mon mari m'a demandé s'il pouvait acheter un canot. Donc, il a commencé ses recherches sur Facebook Marketplace. Puis, moi, évidemment, c'est jamais un problème. Mon mari dépense pas beaucoup d'argent, il travaille fort et c'est une de ses passions, la pêche. Alors, évidemment, j'allais pas dire non. Et il a trouvé un canot. Il m'a dit que c'était je sais plus combien de pieds, mais j'aurais dû faire mes recherches parce que le bateau est absolument immense. Il est dehors entreposé dans la neige. Je vais vous montrer probablement des photos. Des photos ou un clip qu'on est allé le chercher chez la dame. C'est un excellent prix, surtout pour cette grosseur d'embarcation. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus grand que j'avais imaginé. J'ai hâte de planifier des activités en famille cet été pour aller sur l'eau, pour aller faire la pêche, pour faire des pique-niques sur l'eau, de la lecture, faire de la peinture à l'eau aussi, du watercolor. Alors, bref, je voulais partager ça avec vous. Je vais aller déposer cette cocotte parce que j'ai une tendinite en formation et ça devient assez douloureux de la porter tout le temps. Alors, je vais aller la déposer puis on va se préparer pour le reste des activités de la journée. Environ un mètre de long. Stop! Voilà. Ça, c'est pas un mètre. Comme ça. Ça, c'est pas un mètre. Moins qu'un mètre. Est-ce que j'attache en haut? Juste couplet pour l'instant. Couple pour l'instant. Attache en haut. Toi, tu tiens le rouge. Tu tiens le rouge. Oui. Et moi, je tiens le blanc. C'est ça? Ouais, lâche ça. Avec l'autre main. Ici? Pour être. Yeah, pour être. C'est une crème de bonbons. Martinica! Regarde! Je voulais en profiter pour vous expliquer un peu c'est quoi la Baba Marta ou la Martinica et d'où ça tire son origine. Ça vient probablement d'une ancienne pratique rituelle des Thraces. C'est un rituel qui consistait à réunir le fils céleste à la déesse mère qui était symbolisée par les deux fils de couleurs. Le blanc symbolisait le céleste et le rouge le terrestre. On en mêlait cette dualité pour qu'elles deviennent un.
la réunion entre le fils et la déesse mère. On allait permettre les nouvelles floraisons. On fait les petits bracelets simples en blanc et en rouge. Habituellement, on le porte tout au long du mois de mars ou jusqu'à temps qu'on aperçoit une première fleur dans les arbres. Quand on aperçoit cet arbre qui verdit, on peut l'accrocher dans l'arbre ou le cacher sous une roche. Le folklore local a donné diverses significations, puis aussi des versions différentes et variées là, avec le temps. Puis une façon typique de célébrer la Martinica, c'est en faisant deux poupées. Donc, il y a Pijo et Penda, qui sont deux poupées faites souvent en laine. Alors, c'est ça. On prend ça vraiment relax. On essaie de profiter au maximum de notre temps qu'on a en famille avec les enfants, leur donner le plus d'attention possible durant cette période qui est un peu difficile, cette période de transition. Alors, c'est ça. Aide-moi à faire dodo. Oui! Wow! Ok! Bon après-midi tout le monde! J'essaie de pas parler trop fort, c'est le quiet time. C'est déjà l'après-midi, le temps file. Et là, j'étais en train de planifier les activités pour le printemps. Donc, j'ai sorti ma liste des fêtes nationales et internationales. Donc, le 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick. Alors, c'est facile, on va s'habiller tous en vert. On a la journée, en fait, la même semaine, jeudi le 21, c'est la journée internationale de la forêt ou la journée mondiale de la poésie. Donc, dépendamment s'il fait beau ou pas beau, s'il fait beau, on passerait plus la journée dehors en forêt pour une bonne randonnée. Et s'il fait pas beau, sûrement qu'on va rester à la maison puis on va essayer de créer un poème en famille. La semaine d'après, le 26 mars, c'est la journée lavande. Alors, on va s'habiller en mauve probablement ou peut-être qu'on va faire un bricolage. J'ai pas encore décidé, mais on va voir pour la journée lavande. Puis évidemment, la même semaine, c'est les célébrations de Pâques, donc le Vendredi Saint, puis le dimanche d'après, c'est Pâques. Alors, on va être bien occupés, on va avoir des activités, puis un repas en famille. On va sûrement aller aussi à l'église pour célébrer Vendredi Saint. Donc, on va être pas mal occupés cette semaine-là. Maintenant, pendant que tout le monde est tranquille et silencieux, je vais en profiter aussi pour céduler mes rendez-vous. En fait, j'ai un rendez-vous médical, je dois payer l'OIQ. Et la dame devrait très bientôt arriver là, pour l'étape de chevet. Et ensuite, les filles vont probablement se réveiller de leur sieste. Alors, on va pouvoir travailler sur les semis. Pendant que je suis en attente, je vais payer ma cotisation pour l'OIQ. Oh! Vous êtes maintenant dans la file d'attente. Il y a 157 personnes devant vous. Je vais essayer de trouver d'autres choses à faire entre-temps. Ah, peut-être que je pourrais vous montrer... Ah, Wordle! Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a beaucoup de reflets de soleil. Chaque jour, un mot de 5 lettres est choisi aléatoirement. Il faut deviner c'est quoi le mot du jour en 6 essais. À chaque essai, la lettre du mot que vous avez proposé changeront de couleur en fonction de à quel point, vous êtes proche de le trouver. Alors, c'est vraiment le fun. Et hier, je me suis vraiment surprise parce que je l'ai eu en 3 essais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Après, je l'ai fait avec mon mari en anglais et on l'a eu aussi en 3 essais, si je ne me trompe pas, en comme 2 minutes. Alors bref, c'est le fun comme jeu, ça se fait bien aussi en couple, ça prend pas trop de temps, puis on passe pas une éternité devant notre téléphone, mais c'est juste fun de jouer à cette devinette. L'accès vient d'être ouvert. Ah, ok, alors je vais faire ça et on se reparle tantôt. Bye! Je pense que je vais laisser faire. Ça fonctionne pas au final. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait juste tourner depuis tantôt. La page, ça fait juste... Ah! Yay! Ok. Oh non, ça dit... Bonjour Sophie, une erreur survenue, veuillez rester plus tard. Alors, je vais rester plus tard. Et de toute façon, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Alors, on se voit tantôt. On fait des fleurs, les coquettes? Non, à l'intérieur, on va planter des semis. Bye-bye. Je vais faire un petit peu.
atterri avec les pieds les bas sur le sol. Oh! Ça a fait si que tu Ok, so what are we planting? Just the tomatoes? Just the tomatoes. Any flowers or not yet? And all the flowers. All the flowers? Dodo. La petite Eva vient juste de s'endormir, donc on va se préparer tranquillement pour dormir. Mais avant de me coucher, je voulais vous montrer les livres qu'on est en train de lire. On a pris l'habitude, en fait on essaie de prendre l'habitude de lire davantage de livres, de passer moins de temps sur nos téléphones ou devant l'ordinateur avant le coucher. Cette année, on a décidé d'avoir une approche différente avec nos résolutions, puis au lieu de toutes les appliquer en même temps au début de l'année, ce qui n'est pas très réaliste, c'est plutôt de travailler sur une résolution par mois jusqu'à son intégration dans notre routine, jusqu'à ce qu'on soit capable de l'appliquer de façon régulière et pour que ce soit une solution qui est pas permanente mais durable. Alors bref, une de ces résolutions, c'est de lire davantage de livres. Puis on essaie de notre mieux de lire à tous les jours au moins un chapitre. Souvent, ou la majorité du temps, on finit par lire beaucoup plus que ce qu'on avait comme intention. Donc, actuellement, je suis en train de lire Mama Bear Apologetics. Je vais sûrement en parler plus en détail demain parce que là, c'est l'heure de dodo puis on veut profiter du maximum de minutes qu'on peut avoir la nuit. Alors bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reparlerai probablement demain pour parler du livre plus en détail. Et sinon, j'espère que vous avez passé une belle journée. Puis je vous remercie d'être là avec nous. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces segments dans notre vie. Puis ouais, j'espère que vous allez passer une bonne nuit. À demain. Bye! Bon après-midi tout le monde, on est en fait le lendemain. Je voulais vous partager vite ce que j'étais en train de lire dernièrement. Mon objectif pour ce mois-ci, c'est de les terminer les trois. Je vais commencer avec Mama Bear Apologetics. Je l'ai reçu en cadeau de ma belle-sœur et je le trouve absolument incroyable ce livre. C'est très inspirant. Les trois, ce sont des livres chrétiens. Mais pour moi, c'est important de le partager parce que je le recommande à tous les parents. Le livre, c'est pour empower nos enfants à... comment dire, à questionner les mensonges culturels. Donc, nos enfants ont accès à tellement d'informations de nos jours et souvent, les informations sont biaisées, falsifiées, tordues. Et ce livre-là veut nous équiper, nous, comme parents, à enseigner à nos enfants d'avoir une pensée qui est critique, à avoir un jugement qui est critique pour pouvoir questionner ces mensonges culturels. Ça m'encourage, moi, à mieux me préparer aux questions qui vont survenir quand mes filles vont être plus vieilles, aux questions qui sont confrontantes, des questions qui sont peut-être des fois perturbantes sur le monde, sur les façons du monde, sur... bref, sur différents thèmes. Maintenant, c'est très 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 facile de se perdre dans toutes les psychologies, dans toutes les philosophies, dans toutes les théories, les doctrines et les mensonges culturels. Alors, je trouve que c'est important de se préparer et ça, c'est une de mes prières, surtout pour mes enfants, mais aussi pour d'autres parents, de savoir comment bien éduquer nos enfants pour
mais aussi et surtout nous-mêmes, nous éduquer nous pour pouvoir bien leur répondre, pour pouvoir bien nous préparer quand ces questions vont nous défier. Donc ça, c'est en fait un guide pour les mères, mais moi je le recommande pour les parents. Pas juste les mamans, mais c'est aussi très adapté pour les papas. Donc c'est pour nous équiper, enseigner à nos enfants de faire leur propre, de construire leur propre pensée ou jugement biblique sur ce qui est vrai et faux. Donc, on a tendance à perdre de vue ce qui est vrai de ce qui est faux. On entend régulièrement des choses comme « This is my truth is your truth, mine is mine ». Donc, ça, c'est ma vérité. Toi, ça peut être ta vérité est propre à toi, mais il y a juste une vérité. Selon la définition, il peut y avoir seulement une vérité. Et aussi, quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue, c'est ce qui est bon versus ce qui est mauvais. On entend aussi, c'est très cliché, « Follow your heart. If it feels right, it must be right. » Et c'est faux. C'est pas vrai que si quelque chose est bon pour vous, que c'est une bonne chose, nécessairement pour les autres ou pour votre soul. J'ai aussi ça ici, « Living on less and liking it more. » Donc, ça parle de vie dans le contentement, dans la simplicité, dans l'humilité. Et c'est très « on brand » pour moi, et surtout dans cette chaîne où j'aime beaucoup parler de vie intentionnelle, less is more, et c'est tous des thèmes qui me rejoignent. Alors, dans ce livre, ils veulent nous montrer comment on peut honorer Dieu en choisissant des façons de penser, des valeurs aussi, qui nous permettent de dématérialiser notre vie et d'être libre de la tyrannie des choses. Ce livre veut nous montrer des façons qui sont créatives, mais aussi encourageantes de vivre avec moins et de vivre d'une façon qui honore Dieu, d'une façon qui n'est pas matérialiste. Quelque chose que j'essaie de me rappeler à chaque jour, qui est très, très, très important, qu'on perd souvent de vue, c'est que si on s'attache aux choses du monde, on va être triste, on va être anxieux, on va être des fois misérable. Ça, c'est par expérience personnelle. Je vis avec énormément d'anxiété. Souvent, j'ai cette anxiété quand je m'attache aux choses du monde. Et quand je pense ou que je m'attache trop aux choses matérielles, aux choses qui sont passagères, aux choses qui sont temporelles, la solution, en fait, à tous mes problèmes et à mon stress et mon anxiété, et c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais il faut s'attacher aux choses éternel. Il faut garder nos yeux fixés sur Dieu. Il est la source ultime de paix et de contentement et de réjouissance et d'amour, de pardon. Alors, souvent, je vais me sentir triste, fâchée ou désespérée, perturbée avec les choses que je vois, que je ressens, que j'entends, que je lis. Et malgré qu'on a tout ce qu'on a besoin et tellement, tellement plus, malgré qu'on ait une belle vie de famille, une belle maison, des vêtements, de la nourriture, qu'on manque de rien, souvent on se sent incomplet ou on se sent vide et on se sent quand même malheureux. Et ça, c'est la preuve, justement, quand on s'attarde trop aux choses de ce monde et qu'on ne fixe pas nos yeux sur ce qui est éternel. La conclusion du livre, c'est que quand on réduit nos dépenses, on augmente en fait nos choix de vie. Alors, c'est très encourageant. Et finalement, doux et humble de cœur, ça c'est... C'est grave parce que j'ai commencé ce livre-là il y a peut-être un an et demi ou deux. C'est un cadeau de mon papa. Et encore une fois, excellent pour quelqu'un comme moi qui souffre d'anxiété. Il y a des versets clés que j'aime mémoriser. En fait, le titre décrit deux caractéristiques de Jésus qui est doux et humble, qui est cité dans Matthieu 11. Où Jésus désire que son peuple trouve le repos en lui. Donc, ce livre est inspiré des paroles de Jésus. Il parle de l'affection de Christ pour les pécheurs, pour nous encourager dans le cheminement vers le ciel. La description est intéressante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est Matthieu 11, 28. Donc, il dit « Les chrétiens peuvent facilement avoir l'impression que Jésus est perpétuellement déçu et frustré par leur marche chrétienne, voire qu'il est même sur le point de les abandonner. Ils savent ce que Jésus a fait pour eux, mais ils ont souvent une connaissance superficielle de sa personne. Quels sont les sentiments qui l'animent lorsqu'il considère les péchés et les échecs de son peuple? Ma vie spirituelle, personnelle, est souvent comme une montagne russe. Il y a des moments qui sont incroyables, il y a d'autres moments qui sont
triste dans ma marche spirituelle. Alors ça, c'est un livre qui est super encourageant, puis je sais que c'est des doutes qu'on a, c'est des émotions, c'est des passages et des montagnes russes que n'importe quel chrétien, que tous les chrétiens vont avoir dans leur marche spirituelle, dans leur parcours spirituel. Alors ça, c'est bon vraiment pour nous inspirer, nous réconforter quand on lit les belles paroles de Jésus. Alors voilà, et le dernier livre que je vous ai montré hier, je ne l'ai pas avec moi parce que mon mari est en train de le lire. Donc, Live No Lies, j'ai pas beaucoup de détails à vous donner, mais quand je vais le lire, je vous partagerai peut-être quelques segments qui me marquent ou j'en ferai une conclusion là ou un petit résumé. Alors, c'est tout pour ce vlog et comme toujours, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!